La réaction du gouvernement espagnol ne s'est pas fait attendre. Ce vendredi soir, quelques heures à peine après la déclaration d'indépendance et à l'issue de ce Conseil des ministres, Mariano Rajoy a annoncé les mesures qu'il entend prendre pour rétablir l'ordre et la loi en Catalogne. Une manière, selon lui, de mettre un terme à ce qu'il qualifie d'escalade de désobéissance. Una normalidad empieza por la ley. La normalité commence par la loi. Pour retrouver une légitimité institutionnelle et pour rendre leur voix aux Catalans, je vous informe que j'ai dissous aujourd'hui le Parlement catalan et que des élections auront lieu dans cette région autonome le 21 décembre prochain. Mariano Rajoy a convoqué ses ministres après le feu vert donné ce vendredi par le Sénat pour mettre sous tutelle la Catalogne en s'appuyant sur l'article 155 de la Constitution. De son côté, le parquet général a annoncé qu'il poursuivrait Carles Puigdemont pour rébellion, un délit passible d'une peine de 30 ans de prison.